Vous regardez RTL. En cette période de tension entre la France et l'Italie, la chaîne publique d'information continue, France Info Télévisions, peut toujours compter sur son intervieweur vedette, notre confrère Jean-Michel Apathy, pour jouer carte sur table. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour et merci d'être de plus en plus nombreux à être obligés de nous regarder à cause des orages qui ont grillé votre box. Ne faites pas attention si je suis tout ébouriffé, c'est parce que j'ai dû combattre un stagiaire que j'ai surpris en train de mettre du cirage dans mon casque de scooter. En cette période de crise migratoire européenne majeure, j'ai décidé de recevoir le président du Conseil italien, Monsieur Giuseppe Conte. Monsieur Conte, bonjour. Que vous a dit le président Macron lors de votre entrevue de vendredi dernier? Répondez sans manœuvre dilatoire. Je vous en conjure, Monsieur Conte. Giuseppe Conte, je peux parfaitement concevoir votre colère, voir votre courroux et même eu égard à la désinvolture et l'arrogance française concernant le problème des flux migratoires, mais ce n'est pas une raison pour me dire « va fan culo ». Je réitère donc ma question au président du Conseil italien que vous êtes, Giuseppe Conte. Quelle garantie vous accordez le président Macron, Monsieur Conte? Mais en fait, c'est aberrant. Vous n'êtes pas le nouveau président du Conseil italien, Giuseppe Conte. Vous êtes Paolo Conte, le crooner transalpin. Ils sont de plus en plus abrutis dans cette rédaction de France Info Télévisions. En cette période de mercato audiovisuel, je me mords les orteils de ne pas avoir accepté la proposition de Nicolas de Taverneau de faire les démonstrations d'objets promotionnels dans M6 Boutique. Si ça continue comme ça à la rentrée, je vais finir au point route.